mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur France 3 Orléans, France 3 Normandie et bienvenue sur toute la France même si vous nous faites l'amitié de nous suivre sur internet sur centre.france3.fr. Bienvenue en compagnie de Frédéric Dambier, responsable du pôle France à l'INSEP, coordinateur également des disciplines de luge, bobsleigh et curling. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler tout au long de l'après-midi, après-midi et même soirée, puisque c'est en effet une grande journée de patinage que nous allons passer ensemble grâce aux bons soins de France 3 Orléans, bien sûr déjà nommé, et de toute l'équipe technique de France 3 Lille, sous la coordination d'Yvan Avril et la réalisation de Pascal Gervais. Frédéric, je suis très heureux de vous retrouver un an après. Pour ce Masters d'Orléans qui alors évidemment cette année prend une dimension particulière puisque les patineurs que nous allons sûrement retrouver sur la glace dans quelques instants, à commencer par, et je vois que l'œil de lynx de Pascal anticipe très bien sur ce que nous allions dire, à commencer par Florent Amodio, ici présent, représente l'élite française bien sûr, mais concernant Amodio, l'élite mondiale du patinage, à environ 3 mois des JO de Sotchi en Russie, à un mois et demi des championnats de France de Vaugiani en Isère, qualificatifs pour ces Jeux, et environ 2 mois des championnats d'Europe de Budapest. Alors, c'est donc un Masters particulièrement important que nous allons suivre, Frédéric. Effectivement, le début d'une saison olympique, c'est toujours très important. On va découvrir les programmes que les patineurs nous présenteront tout au long de la saison. On parlait du cas de Florent Amodio, un programme qui pourra, je l'espère, le mener vers une médaille européenne, mondiale et surtout olympique. Donc c'est vraiment une période test. On montre aux juges, on montre aux spectateurs aussi, voir si l'aspect technique est validé par les juges, si le public réagit au programme. Donc c'est vraiment une épreuve test très très importante pour toute l'équipe. Et avec France 3 Centre, nous n'allons rien manquer de la préparation donc de Florent Amodio qui va jouer gros tout à l'heure, ce sera environ dans une demi-heure à peu près, parce que c'est la première fois, vraiment nous avons beaucoup de chance sur France 3 Centre, c'est la première fois que le vice-champion d'Europe va nous présenter son programme olympique. En fait, Frédéric, on dit pré-olympique, mais en fait c'est olympique. C'est son programme qui se présentera à Sotchi en février prochain pour décrocher une médaille, une médaille, on l'espère, d'or. Il a beaucoup travaillé ces derniers mois avec Shaneta Foll, son nouvel entraîneur, en concertation avec Katia Krier sur le pôle France INSEP. Il travaille très très dur à l'entraînement, il semble vraiment motivé, déterminé comme jamais pour aller chercher les Canadiens, les Japonais et puis revenir avec une jolie médaille de la Russie. Alors ne nous y trompons pas, et c'est vrai que Pascal et son équipe ont raison d'insister sur Florent Amodio. Rassurez-vous, nous verrons évidemment les autres concurrents tout au long de l'après-midi, mais Florent Amodio, c'est vrai, vous le disiez Frédéric, va viser en fait tout simplement la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sotchi en Russie. C'est propos ambitieux certes, mais après tout on ne peut pas reprocher à un patineur d'avoir de l'ambition. Il a totalement changé sa préparation. Il a quitté donc Morozov, avec lequel il s'entraînait en Russie, à Moscou, pour donc rejoindre différents endroits d'entraînement. En fait, hein. C'est une sorte de multinationale de lieu d'entraînement. Mais en restant basé à la France, il est attaché à ce positionnement en France, proche de sa famille, proche de ses collègues de l'équipe de France. Mais effectivement, il bougera tout au long de la saison en fonction des contraintes de son entraîneur. Alors, l'échauffement donc vient de se terminer et nous allons entrer de plein pied dans ce dernier groupe, retrouver un patineur encore peu connu du grand public, Gaylord Lavoisier, au bien joli prénom, Gaylord Lavoisier. Il porte un nom, c'est extraordinaire, il a un joli prénom, puis il a également un joli nom, un nom resté dans l'histoire. Gaylord Lavoisier qui évidemment n'a absolument rien à perdre, tout comme au moins 4 des 5 concurrents présents dans ce dernier groupe, rien à perdre et essayer de venir taquiner qui sait une place sur le podium.
ce sera là, le triple axel qui, s'il n'est pas avec une rotation complète et sur deux pieds, les grosses difficultés qu'il faudra réussir ce soir pour être sur le podium. Le Rydberger passe bien. Petite hésitation en revanche sur le boucle piqué précédent. Peut-être un petit peu de nervosité. Nous reviendrons, Frédéric, sur le fait du reverse order. Il n'y a pas encore de traduction française. C'est-à-dire que les concurrents passent dans l'ordre inverse de leur classement au programme court. Ce qui évidemment génère un suspense jusqu'au bout. C'est-à-dire que Florent Amodio passera en avant-dernier, puisqu'à la surprise générale, il a été devancé par le grenoblois Chafik Besseguier au programme court hier après-midi. C'est-à-dire que nous allons avoir un suspense grandissant. Lavoisier a donc terminé cinquième de ce programme court et donc patine en premier du dernier groupe. Termine donc de ces 4 minutes 30-40 avec peut-être un petit peu de fatigue. Frédéric, reste qu'il a quand même tenté pas mal de difficultés dans cette chorégraphie. Avec effectivement plus ou moins de réussite. Pour l'instant, nous en sommes à 7 sauts. Il reste un bloc de sauts à réaliser. Un dernier élément pour marquer des points. Sachant que tous les sauts réalisés en deuxième partie de programme sont valorisés et rapportent plus de points. Gaylord Lavoisier, France. Alors, Frédéric. Effectivement, un jeune patineur qui aujourd'hui n'a pas les mêmes ambitions qu'un Chafik Besseguier ou qu'un Florent Amodio, qui est là pour faire son travail. Mais on le voit tenter des difficultés. Ce triple axel, effectivement, en début de programme, que l'on verra peut-être au ralenti. Ben voilà. Ici, le triple axel, et on ne voit pas ses pieds, mais un petit manque de rotation. Et ensuite une surrotation. Un Gaylord Lavoisier qui est courageux. Tout à l'heure sur le dernier saut dont nous parlions, un triple boucle piqué, même avec la fatigue, il essaye de faire une combinaison triple-triple pour marquer un maximum de points.
Voilà, les objectifs aujourd'hui de Gaylor sont de se préparer pour les championnats de France. Rappelons que cette année aussi, il y a un championnat du monde universitaire, les Universiades, qui se dérouleront à peu près à la même période que les championnats de France de Vaujany. Donc ce sont des patineurs comme ça, qui sont étudiants à côté, qui peuvent aussi bénéficier d'une expérience internationale intéressante, parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore du niveau pour pouvoir participer à des championnats d'Europe. Donc c'est de l'apprentissage. Ouais, apprentissage salutaire ô combien. Alors qu'on voit ici au ralenti une très jolie pirouette, ma foi, exercée par Gaylord. Regardez les juges derrière, là, qui ne ratent rien, car en fait les juges, oui, leurs écrans, là, on va peut-être revoir les juges. Vous avez vu à l'arrière-plan brièvement, ils ont une sorte d'écran de contrôle et ils voient en même temps que nous, hein, c'est ça Frédéric, les éventuelles erreurs. Exactement, et les contrôleurs et spécialistes techniques qui sont chargés de valider chaque élément peuvent éventuellement demander une vidéo, un replay pour revoir l'élément, pour être certain que la rotation est complète. Ou par exemple sur des pirouettes, il y a un certain nombre de critères à faire pour obtenir des niveaux 4. Ils peuvent regarder à nouveau pour être bien certain qu'ils ont bien tout vu, qu'il y a bien le nombre de tours, que les positions est respectées, pour être certain de donner la note la plus juste possible aux patineurs. Et on en peut-être en profiter pour parler d'une première mondiale qui s'est déroulée pendant ces masters sur les programmes courts, avec le challenge où le sportif, à l'issue de son programme, avait la possibilité de demander à revoir un élément et de demander une explication au jury, pourquoi est-ce que c'était niveau 3 ou pourquoi est-ce que c'était niveau 4. Et c'est vrai que c'est un côté assez intéressant, assez interactif entre le patineur et les juges, et le public aussi comprenait un petit peu mieux pourquoi les juges des fois prenaient un petit peu de temps, regardaient un élément, qu'est-ce que c'était que les niveaux. On parle de niveau 3, niveau 4, mais comment atteindre un niveau 4, c'était assez intéressant comme première. Ah oui, alors ben justement, nous y reviendrons tout à l'heure, puisque nous vous avons réservé une petite surprise. Nous avons en fait filmé, voici les juges, nous avons en fait filmé ce qui s'est passé hier, et notamment avec un patineur, je crois, qui a demandé en fait une explication. Je ne sais pas si cette explication lui a convenu, mais enfin en attendant, Lavoisier, tout comme nous, vient de revoir son programme. C'est vrai que c'est assez nouveau, hein, parce qu'en fait, jusqu'à présent, nous avions plutôt l'habitude d'une sorte de kiss and cry avec banquette moelleuse. Là, il semble que le patineur soit assis sur une chaise un peu plus dure. Et il est tout seul parce que Bernard Glesser entraîne aussi le patineur suivant, donc ce qui est normal. Il s'occupe du patineur qui va bientôt entrer en piste. C'est vrai que le pauvre Gaylor se retrouve un petit peu tout seul. Enfin, sur fond de cathédrale d'Orléans quand même, cette cathédrale absolument magnifique. Que nous vous encourageons vivement à venir visiter cette ville du Loiret qui a vraiment fait un accueil formidable aux meilleurs patineurs français, qui pour certains d'entre eux, en tout cas pour l'un d'entre eux, que nous verrons tout à l'heure, est l'un des meilleurs patineurs du monde. Alors c'est vrai, du coup, vous le disiez Frédéric, les notes sont un petit peu plus longues à venir. Mais je pense qu'elles ne vont pas tarder pour à le programme libre et de 128 voilà, points. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu ces notes techniques et artistiques pour voir tout au long de l'après-midi ces notes bien sûr évoluer, sachant que là Gaylor a obtenu un total de 128,94 sur cette compétition. Pour vous situer un petit peu le niveau, le record de France est actuellement détenu par Florent Amodio avec plus de 250 points. Ouh là 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 là, là. Oui, ça veut dire que la route est encore longue, voilà, vous voulez dire. Mais en même temps, c'est le record de quelqu'un qui est champion d'Europe et qui est dans les tout meilleurs mondiaux. Donc c'est aussi une expérience extraordinaire pour ces sportifs d'être à côté de grands champions de ce talent. Accueillons maintenant Florian Lejeune, qui porte bien son nom, puisqu'effectivement, tous les concurrents, Amodio inclus, ont moins de 25 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment la relève du patinage français, et nous l'espérons, en tout cas européen, qui est présente cet après-midi à Orléans. Lejeune, donc. Deuxième des derniers championnats de France, peut-être le premier quadruple de la journée. Parce que si quadruple il y a en général en tout début de programme. Aïe aïe aïe, oulala, la lourde chute qui en plus se termine contre la balustrade.
Qu'arrive-t-il, Frédéric, quand un patineur chute comme ça aussi lourdement sur un premier saut? Ça fait partie de la discipline. Florian est habitué à tout ça. Il sait que ça fait partie du jeu. Tout de suite se remobiliser. Et surtout que c'est très nouveau pour lui. C'est une difficulté qu'il maîtrise depuis peu. C'est une difficulté de niveau mondial. Donc tout de suite se remobiliser. Extrêmement moderne de la 5e symphonie de Beethoven, extrêmement moderne, les spécialistes apprécieront ou pas. C'est peut-être, Frédéric, la partie un peu plus lente de la chorégraphie qui permet de se ressourcer un peu, surtout après un début un petit peu difficile. Il s'accroche. C'est vraiment très intéressant ce qu'il propose. Pour l'instant, quand même peu de temps mort dans son programme. Exact. Maintenant, il va pouvoir souffler un petit peu. Enchaîne sur le thème de Live and Let Die, l'un des James Bond les plus connus. C'est un programme musical très éclectique. Le Rydberger ici est prévu en triple passe, me semble-t-il, en double. Exactement. C'est Paul McCartney qui interprétait cette chanson. Vous en souvenez-vous, Frédéric? Vous êtes trop jeune peut-être. Si, je m'en souviens bien. Surtout les nombreuses reprises qu'il y a eu derrière. Il me semble que le jeune est gaucher, je ne sais pas si... Il est gaucher, c'est bien ça, hein, parce que les sauts ont l'air de partir de façon un peu à l'envers, mais pas tout à fait à l'endroit pour un gaucher. Oui, c'est intéressant à noter. Les pirouettes, il tourne cependant des deux côtés, ce qui est une difficulté supplémentaire et lui permet d'obtenir des niveaux plus élevés. Alors, Frédéric, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt intéressant, un programme quand même à 6 triples sauts, une tentative de Guillermo Salto, certes, avec une chute, mais c'est un jeune patineur, 7e des championnats de France, comme vous le disiez, mais qui prend des risques, qui est vraiment dans une dynamique de progression. À la base, dans son programme, on doit avoir un quadruple salco, un triple axel, il y a une combinaison triple boucle piqué, triple boucle piqué. Il utilise, vous savez qu'on a droit à 3 combinaisons dans un voile ici de ralenti sur lourde chute sur le quadruple salco, mais il ne s'est pas démobilisé jusqu'au bout du programme, il y est allé, et il utilise ces 3 blocs de combinaison. On voit ici le triple axel qui malheureusement n'est pas déclenché. Non, je trouve que c'est vraiment intéressant, un patineur en devenir, à la bonne école avec Bernard Glaisseur, qui est quand même
la personne qui a formé Florent Amodio. Donc on voit effectivement que techniquement, c'est sûr. Et je trouve vraiment ce patineur intéressant. On voit ici la combinaison triple salco, triple boucle piqué. Vraiment de très très bonne qualité technique. Et une fois qu'il aura stabilisé ce quadruple salco, ça peut faire très très mal. Le triple loot ici, la combinaison. Ah non, c'était pas celui-ci. C'est le deuxième triple loot tout seul. Auparavant, il avait fait un triple loot sans combinaison avec deux boucles piquées. Donc il utilise bien le règlement, tout ce qu'il doit faire, l'ensemble des éléments. Vous savez, maintenant, on additionne vraiment les petits points. Le moindre petit point peut faire la différence. Et bien lui, il utilise toutes les opportunités de gagner du point. Et le programme est vraiment intelligent et bien construit. Alors, nous allons donc attendre les notes de le jeune. D'ailleurs, simplement un petit mot, parce que vous en avez parlé brièvement en antenne, Frédéric. Vous êtes coordinateur de la luge, du bobsleigh et du curling, tous trois sports de glace olympiques. Exactement, qui vont tous bientôt rentrer dans une phase de qualification olympique, que ce soit la luge et le bobsleigh, en prenant part aux Coupes d'Europe et Coupes du Monde, marquant un maximum de points pour être bien placé au niveau de la ranking mondiale pour être qualifié. Et le curling qui jouera sa qualification à Füssen en Allemagne, mi-décembre, 8 équipes engagées, 2 places seulement pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, toute la fédération française, que ce soit en patinage sur ces disciplines, est mobilisée pour les Jeux Olympiques. Actuellement, Coupe du Monde aussi de short track. Toutes les disciplines sont sur le feu. Tous les sportifs ont envie d'être performants pour tous se donner rendez-vous au mois de février en Russie. Très bien. Bah, écoutez, en ce qui me concerne, je me contenterai du curling et je laisserai nos amis Yvan Avril et Pascal Javret au premier rang du bobsleigh comme pilote. Vous devriez essayer, Nelson. Oui, je... vous me raconterez. Vous me raconterez. Toute l'équipe sera réunie. Mais nous suivrons cela. Ah, ça me fait nous plaisir, suivrons cela, croyez-moi, et nous espérons vraiment la participation de l'équipe de France de curling au JO de Sochi. Et pour l'instant, nous voyons ces magnifiques ralentis sur le jeune qui, je pense, devrait prendre la tête au classement provisoire de la compétition. Il me semble, Frédéric, que ce programme était supérieur à celui de Lavoisier. Vous allez le voir dès la note technique. 57.1, ce qui le place provisoirement 35.10 pour Gaylord à 57.1. Effectivement, c'est normal et justifié. Un contenu technique vraiment très intéressant. Normalement, nous devrions encore voir des quadruples et des triple axels avec une personne un petit peu plus expérimentée que je vous laisse présenter, Nelson. Alors, il s'agit évidemment de Romain Ponsard, qui est déjà un patineur plus reconnu dans la hiérarchie française. Tout au moins, il est aux portes des championnats d'Europe. Je pense qu'on peut dire ça. Le seul problème, c'est qu'il est un petit peu barré par Amodio, c'est certain. Voire par Bességuier. Nous reviendrons sur le cas de Brian Joubert après la démonstration de Romain Ponsard, le longiligne Ponsard, qui est, je crois, le plus grand des patineurs engagés. Et c'est parti. Va-t-il y avoir un quadruple saut? Décidément, une lourde chute. Ah oui, comme tout à l'heure pour le jeune. Romain s'était vraiment blessé très gravement l'année dernière au Masters sur un quadruple. Et j'espère que ce n'est pas dans un coin de sa tête et qu'il va se remobiliser pour la suite du programme. Là, déjà, au moins, il ne s'est pas blessé. Triple accès à Nantes qui se transforme en simple rotation. Ça part très difficilement pour penser. A-t-il remis donc cet axel qui également est une simple rotation, Frédéric? C'était effectivement une deuxième tentative de triple axel. Romain est vraiment en difficulté là sur cette entrée de programme. En
Est-ce qu'on peut justement, Frédéric, se remettre d'un mauvais début de chorégraphie? Il le faut, tous les entraîneurs préparent leur sportif à ça. Souvent le premier saut d'un programme est une grosse difficulté pour les sportifs de ce niveau-là, c'est un quadruple. Donc ça fait partie de la construction du programme, de se dire voilà, chaque élément doit être réalisé. Après un élément, je passe au suivant et je me remobilise, je me reconcentre sur les bonnes choses, sur mon placement, sur ma technique. Là, c'est vrai que Romain, malheureusement, son entrée de programme est cauchemardesque pour lui. Il tombe sur le quadruple, deux faux départs sur le triple axel. Et c'est vrai que là, au final, on a un programme avec quatre triples sauts, mais juste le triple boucle, triple salco, triple boucle piqué. C'est pas du niveau de Romain Ponsard. Il nous a habitués à beaucoup mieux. On voit ici le non-déclenchement du triple axel. Deux fois. Je pense vraiment que c'est ce problème de blessure à la cheville. On a du mal à être solutionné. Il est souvent arrêté. Il a été infiltré en début de saison parce que ça ne tenait pas. C'est vraiment un problème qu'il faut solutionner parce que c'est quelqu'un de très talentueux qui est capable de faire des quadruples sauts et qui aujourd'hui est vraiment dans la difficulté. Et du coup, tout s'enchaîne parce que le fait d'être blessé, il ne peut pas stabiliser ses sauts, il ne peut pas s'entraîner suffisamment pour avoir la condition physique nécessaire. Et on le voit ici, à la fin de son programme, à partir de 2 minutes 30, 3 minutes, Romain est vraiment en difficulté, souffre physiquement. C'est dommage parce que c'est un patineur de talent, très élégant. On voit ici le triple boucle. Là, du coup, il n'est pas sûr que Ponsard devance le jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que le niveau technique là est un petit peu faible. Après, sur les qualités de patinage, il y a quand même une petite différence. On va voir si l'avance sur le programme court sera suffisante. Je pense que les juges doivent regarder peut-être le quadruple saut pour voir si la rotation était complète. On aperçoit sur la droite brièvement, on a brièvement aperçu Annick 60. Dumont, coach de Ponsard. La voici Annick, qu'on a connue plus souriante. 163-06, il est malheureusement deuxième. C'est-à-dire qu'il est devancé par le jeune. Il est devancé par le jeune et vous voyez à moins d'un point de différence. Donc tout à l'heure, lorsque je vous parlais de l'importance des combinaisons, vous voyez, Romain ne fait qu'une seule combinaison dans son programme. Il aurait fait ne serait-ce qu'une seule combinaison, un double boucle piqué et il était devant Florian Lejeune. Donc voilà, c'est pour ça c'est ce qu'on essaye de dire aux jeunes patineurs. Pensez vraiment à ce nouveau système, à chaque élément qui rapporte des points. C'est vraiment important et là je pense que c'est une très très grosse déception pour Romain, mais pas seulement sa deuxième place, c'est plus son comportement, on le voit en plus repartir en boitant, c'est une déception. Alors attention, parce que le grand moment de l'après-midi est arrivé sur la glace d'Orléans avec l'apparition du champion et vice-champion d'Europe Florent Amodio. Pour ceux qui étaient des nôtres au mois de janvier dernier à Zagreb, vous en souvenez certainement, Frédéric, Florent avait conquis une médaille d'argent absolument extraordinaire. Derrière l'invincible ce jour-là, Javier Fernandez, auteur de trois quadruples sauts, vous en souvenez. C'est ce Florent Amodio-là que nous espérons revoir. Programme inédit, programme olympique. Thank you.
Ça, c'est le Amodio Showman. C'est une partie de sa chorégraphie qu'il affectionne de façon générale. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est le seul patineur à rester debout. Pas de chute. Et évidemment, à ce niveau de compétition, ça devrait le propulser, et ce, très largement, en tête de la compétition, Frédéric. Un autre monde, on est à la limite du sport et de l'art. Qualité artistique incroyable pour ce forum. C'est cette orchestration formidable de La Vie en Rose. Edith Piaf, dont nous commémorons cette année, dans quelques jours, le 50e anniversaire de la disparition. C'était peut-être une tentative de triple axel qui se transforme en double, mais Florent reste debout, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que ce n'a pas été le cas des autres concurrents. J'ai l'impression qu'il vous a gratifié d'un petit sourire, Frédéric, au passage. Je pense qu'il souffre plus qu'autre chose. Ah bon. Voilà, très bien, très bien. Très joli trip ici. Voilà qui est beaucoup mieux. Flip excellent, ça se passe bien là, vraiment le début a été un petit peu hésitant, mais là il est tout à fait dedans, et là normalement maintenant, il va nous régaler. Le show Amodio commence. Oui. C'est drôle parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça soit terminé. Mais oui, je pense que c'est terminé. La fin est un petit peu curieuse, hein, Frédéric. Bah écoutez, le programme en soi a du potentiel. Mais c'est vrai qu'on est un peu déstabilisé par la performance de Florent ce soir. Seulement 3 triples sauts, j'ai envie de dire. C'est pas du niveau d'un Florent que l'on attend. Deux tentatives de quadruple en début de programme qui sont malheureusement pas réussies. Deux tentatives de triple axel où il ne fait encore que double axel. On parlait tout à l'heure des combinaisons, pas de combinaisons. Surtout, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais juste après le sourire dont vous me parliez, cher Nelson, il y a eu un saut où il est carrément pas. Il s'est dit, j'y vais pas. Oui, ça, j'ai remarqué voilà, ça. Il fait que 7 blocs de saut, donc il y a des difficultés. On voit ici la tentative de quadruple salco qui se transforme en double. Il n'enclenche pas la rotation et voilà. Manque de confiance peut-être. Manque de répétition aussi peut-être à l'entraînement. Ici c'est le deuxième où il fait ce coup-ci un triple. Effectivement, on voit que Florent est pour l'instant encore un peu à court de forme. Il n'est pas aussi bien physiquement qu'on l'avait vu, comme vous le disiez, au championnat d'Europe avec ses 3 triples sauts. Il a connu un été un petit peu agité. Il se stabilise avec son nouvel entraîneur. Maintenant, il faut que ça porte ses fruits. C'est quelqu'un, pour avoir eu la chance de l'avoir travaillé, qui est très, très exigeante avec Florent sur la glace, en dehors de la glace. Et Florent adhère vraiment et la suit beaucoup. Et du coup, bah, il faut continuer à aller dans ce sens-là pour qu'il puisse retrouver le niveau qu'il avait au mois de janvier dernier. Alors que nous attendons les notes de Florent, Christian Lavaux, notre assistant réalisateur, et Stéphanie Gaillard, notre script, nous annoncent un éventuel forfait
un forfait même confirmé de Shafik Besseguier qui se serait blessé à l'entraînement. Alors là, il va falloir que déjà que nous en soyons sûrs, mais ça a l'air d'être sûr car je ne vois nulle trace de Besseguier au bord du ring, enfin au bord de la patinoire. Et peut-être que, nous allons tout d'abord attendre les notes de Florent, mais peut-être que Pascal pourrait nous remontrer tout à l'heure, hein, pas tout de suite, des images de ce fameux échauffement, parce que nous n'avons pas du tout vu de chute de Besseguier à l'échauffement. Peut-être est-ce passé hors antenne, nous allons vous en dire plus. Alors là, du coup, évidemment, la victoire de Florent Amodio, déjà probable, devient certaine. Car si Besseguier déclare forfait, ce qui est visiblement le cas, Florent Amodio sera déclaré vainqueur. Je ne vais pas dire sans combattre, ça serait un petit peu désobligeant. Mais enfin, vainqueur très facile de ce Masters d'Orléans. Un petit mot sur ces notes qui sont quand même très en deçà. Surtout sur l'aspect technique, vous voyez, 50.05. On parlait tout à l'heure de Florian Lejeune qui fait 57 points. Donc voilà, clairement, le contenu technique de Florent n'est pas bon. Par contre, l'artistique, vous l'avez tous vu, Florent met un pied sur la piste et tout le monde est absolument scotché à son patinage. Un petit mot peut-être sur son co-entraîneur, on va dire. Voilà, Katia. Katia Krier, qui est la coordinatrice des disciplines d'expression à la fédération et qui assure un petit peu le suivi avec Chalet Tafol, qui reste son entraîneur principal. Alors effectivement, on est un peu surpris du forfait de Shafik Besseguier. C'est d'autant plus dommage qu'il avait réalisé un programme court extraordinaire. On retrouvait Shafik Besseguier avec un quadruple boucle piqué hier absolument extraordinaire. Un Shafik qui était très en confiance, qui avait gagné ce programme court. Alors j'espère que la blessure n'est pas trop grave et ne compromettra pas le reste de la saison pour lui. On attend un petit peu des informations de la part du corps médical. Et c'est vrai que c'est une très grosse déception, parce qu'encore ce matin à l'entraînement, Shafik enchaînait les quadruples, semblait vraiment dans une très très bonne dynamique. Un petit coup dur pour l'équipe de France. On a une petite pensée aussi peut-être pour Brian, qui n'est pas avec nous, mais qui se prépare pour la suite de la saison, sa dernière quête des Jeux Olympiques, après ses premiers Jeux Olympiques vécus en 2002. Voici les résultats, donc Florent Amodio qui remporte haut la main ce Masters devant Florian Lejeune, une très bonne révélation. Romain Ponsard, un troisième qui je pense doit aussi être déçu, lui qui est dans la course avec Shafik Besseguier pour tout d'abord une place au trophée Éric Pompard et ensuite au championnat d'Europe qui se dérouleront à Budapest au mois de janvier prochain, du 13 au 19 janvier. Une petite animation musicale a permis de calmer un petit peu la déception des fans. Et Nelson qui rejoint Florent. Oui, alors effectivement, nous sommes aux côtés de Florent Amodio qui ne s'attendait sans doute pas à terminer le programme puisque normalement Shafik Besseguier devait patiner derrière vous. Avez-vous des nouvelles? Que s'est-il passé? Il s'est fait une petite entorse, je crois, lors des 6 minutes d'échauffement. Je l'ai réconforté dans les vestiaires. Ça a l'air d'être dur pour lui, pardon. Mais voilà, je lui ai répété qu'il avait fait du très bon boulot et il fallait qu'il avance. Et les Masters, première compétition, c'est juste du rodage. Voilà, c'est un pote et c'est pour ça que ça m'a fait mal aussi de le voir comme ça. Mais voilà, c'est les lois du sport, malheureusement. Mais je lui ai dit d'avancer et il faut qu'il continue sur la bonne voie, oui. Alors Florent, un petit mot sur votre programme inédit, hein, c'est la première fois qu'on voit donc ce programme qui va vous accompagner tout au long de la saison. Comment l'avez-vous senti cet après-midi? Alors par rapport au public, c'est merveilleux, j'ai trouvé mes deux programmes et c'était la grande question en arrivant à ces Masters, est-ce que les programmes vont plaire? Les programmes me collent, le public était là, c'est le point principal, il me reste énormément de travail, j'ai changé de centre d'entraînement, il y a beaucoup de choses qui viennent en ce moment pour moi, mais voilà, c'est en train de rentrer, je suis en train d'apprendre beaucoup et c'est pour être le meilleur déjà dans un mois et surtout à Sochi en février, oui. Alors la première minute de ce programme est absolument magnifique, le choix musical est magnifique, ensuite vous enchaînez, alors qu'on entend derrière comme une musique beaucoup moins poétique que celle qui vous accompagne, comment avez-vous fait le choix de cette chorégraphie et avec qui? Alors tout simplement moi-même, tout seul. C'était à la suite de mon départ avec Nicolas et je me suis retrouvé tout seul 3 semaines dans une patinoire et j'ai essayé de trouver des musiques qui me correspondaient, sur lesquelles je m'amusais et je retrouvais le plaisir de patiner. Et voilà, c'est un programme qui me colle à la peau, qui vient du fond du cœur
et je suis content que le public l'ait reçu de cette manière. Bon bah écoutez Florent, vous savez tout ce qu'on vous souhaite hein, pour toute cette saison. Nous vous retrouverons évidemment tout au long de la saison. Il nous reste encore quelques minutes. On va vous retrouver sans doute sur le podium. On vous retrouve tout à l'heure ce soir pour tout le sport. Vous serez à nos côtés et vraiment tous nos voeux vous accompagnent. À tout à l'heure, Florent. Merci. Alors qu'il nous reste effectivement quelques minutes, je ne vous cache pas que nous sommes en live et que Chafik Besseguier va donc nous rejoindre. Oh là là, mon cher Chafik, je suis tellement désolé de qu'est-ce qui vous est arrivé. Vous semblez, bah, peut-être avec la caméra de Charlie, on va voir ce qui vous est arrivé. Une entorse, semble-t-il. Ouais, Florent nous parlait peut-être d'entorse. C'est, normalement, ça devrait être ça. Pendant les 6 minutes de l'échauffement, je suis tombé à la réception d'un saut et ça s'est tordu. Donc j'ai malheureusement pas pu faire le reste. Vous l'avez senti tout de suite ? J'ai senti tout de suite, je suis sorti parce que la douleur faisait trop mal. Alors, vous qui avez l'habitude, non pas de ces blessures, heureusement pour vous, normalement, c'est une indisponibilité de combien de temps ? Normalement, c'est une dizaine de jours. C'est pas trop méchant. Alors. Pas trop méchant, donc j'espère vite reprendre. Alors, on parlait avec votre parrain Gérard Balthazar de la patinoire de Grenoble. Je sais que vous avez beaucoup d'ambition pour cette année, Chafik. Championnat, trophée Bompard, championnat de France, championnat d'Europe et qui sait, Jeux Olympiques de Sochi. Je sais que c'est votre principale ambition. Vous vous sentez tout à fait capable. Je pense que je peux être capable d'avoir ma sélection. Après, il va falloir que je fasse mon boulot. J'aurais aimé vraiment faire le libre aujourd'hui pour voir où j'en suis dans ma préparation. Hier, je fais un superbe programme court, on peut le dire. Superbe programme court avec des très bonnes notes, une bonne progression, donc c'est bien parti. Bon, vous savez tout ce qu'on vous souhaite, Chafik. Bon courage pour la suite. J'espère que ce sera un mauvais souvenir. Je pense que nous avons avec Pascal l'image peut-être de ce qui s'est passé à l'échauffement. En attendant, Didier Gayaguet, le président de la fédération, merci beaucoup, Chafik, et bon courage pour la suite. Je ne sais pas, cher Pascal, si vous avez des images de l'échauffement de... Approchez, Didier Gayaguet, je vous en prie. Des images de l'échauffement de Besseguier que voici. Alors apparemment, Didier Gayaguet, président de la fédération donc, française de patinage, nous a rejoint. Chafik Besseguier s'est donc blessé à l'entraînement. C'est assez rare. Oui, mais c'est, vous savez, avec le niveau de difficulté que ces athlètes tentent, il n'est pas impossible des fois, sur des lames de couteau, que l'on puisse faire une erreur de quart. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu l'accident, mais oui, c'est embêtant parce que ça va retarder sa préparation. Et on compte beaucoup sur Chafik. Alors oui, Chafik, juste avant que vous interveniez, nous confiait ses ambitions pour l'année qui ne semblent pas être contrariées par une indisponibilité de 10 jours apparemment. Championnat, enfin comme pour tous les patineurs français, trophée Bompard, championnat de France à Vaujany, gala de Courchevel bien sûr, championnat d'Europe à Budapest, championnat du monde à Tokyo, mais entre les deux, Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Comment sentez-vous les chances françaises dans cette saison si importante ? Bah écoutez, on a une équipe qui est extrêmement talentueuse, on le sait, nous avons souvent réussi les championnats d'Europe, les championnats du monde. Malheureusement, nous n'avons pas toujours réussi les Jeux Olympiques, pas souvent, en tout cas pas assez. Alors il est clair que cette année, il y a plusieurs disciplines dans la fédération et que l'on espère d'abord que nos blessés vont aller mieux, parce qu'on a quelques blessés en ce moment dans certaines disciplines. Ensuite, le travail, il n'y a que le travail qui paye. Et puis les Jeux Olympiques, c'est un moment à part. Alors je crois déjà qu'il faut venir encourager l'équipe de France au trophée Éric Bompard, au Palais Omnisports de Paris-Bercy, mi-novembre. Ensuite, il y aura le championnat de France, vous l'avez dit, à Vaujany, dans la belle ville de Vaujany, où nous allons là faire la dernière inventaire des forces en présence. Championnat qui réunira aussi, d'ailleurs, le short track, discipline olympique. Et bien évidemment, au début de décembre, on fera l'analyse et j'espère que l'équipe sera compétitive, d'autant plus compétitive que cette année, il y a les épreuves individuelles aux Jeux Olympiques, mais il y a aussi les épreuves par équipe. Et quand on a la chance d'avoir dans son équipe des garçons comme Florent Amodio, comme Brian Joubert, comme Chafik Besseguier, Romain Ponsard, nous avons nos jeunes filles maintenant, Maë Besseguier, Maë Maïté. Que nous allons voir dans quelques minutes.
Forza, tout ça, c'est des bonnes équipes. Alors Didier, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a un thème que j'aimerais développer parce qu'on a vu une première mondiale ici à Orléans, à savoir, comment dire, le fait que les patineurs puissent interroger les juges sur leur performance vidéo à l'appui. Ça, c'est une de vos idées. On va peut-être voir ça. J'espère que ça sera possible. Ça s'est passé hier. Les patineurs peuvent, vous allez peut-être nous résumer cette innovation, on va dire, peuvent interroger les juges grâce à une vidéo. C'est pas à vous, Nelson, que je vais apprendre que le patinage, par moment, est un mérite d'être dépoussiéré. Donc, la fédération veut apporter sa contribution au niveau national d'abord avec un test. C'est quoi le vidéo challenge? C'est donner la parole à des athlètes de pouvoir interroger, comme le fait Federer à Roland-Garros. Lorsqu'il demande au juge-arbitre, est-ce que ma balle est dans le court ou elle est dehors? Le juge-arbitre dit, ben oui, on va regarder. Eh bien, c'est le même principe. L'athlète est au centre et le monde qui est autour, c'est-à-dire les officiels d'arbitrage, les entraîneurs ou les dirigeants de la fédération, sont au service des athlètes. L'athlète est au centre, il a le droit d'interroger le jury. Le jury a deux solutions, ou trois d'ailleurs. Une, confirmer sa première impression. Et deux, peut-être admettre qu'il s'est trompé. Et peut-être même admettre qu'il a vu une erreur supplémentaire. C'est une révolution. C'est une révolution. Et nous sommes en France, le pays des révolutions. Bon, bah écoutez, Didier Gayeguet, merci de nous avoir rejoints. Il nous reste encore quelques instants avant de nous retrouver sur France 3 Orléans Centre. Nous allons saluer nos téléspectateurs de France 3 Normandie qui vont avoir donc droit dans quelques instants au magazine Littoral présenté par Laurent Marville. Il s'agira des bateaux qui naissent dans les arbres. Ça, c'est certainement un très très joli reportage à suivre. Mais pour ceux qui, même en Normandie, souhaiteraient éventuellement rester des nôtres, peut-être après avoir vu le joli magazine Littoral, eh bien sachez que sur, j'ai pas mal de papiers ici aujourd'hui, c'est du live. Merci mon cher Christian. Sachez que sur sur centre.france3.fr, cette fois-ci j'y suis, on peut continuer à suivre ce qui va donc arriver maintenant, à savoir le programme des filles, pour lesquelles vous avez également des ambitions, Didier Gayeguet. Parce que c'est vrai que le patinage féminin français, rapidement, n'a pas été à la hauteur de vos espérances, mais ça pourrait changer. Oui, il faut que nous retrouvions l'air d'antan des Souria Bonali, et je crois que Maë Bérénice Maïté a fait hier un programme de classe internationale. Il faut poursuivre. Ce n'est pas suffisant. Vive le patinage. Vive le patinage. Ce n'est pas à moi que vous avez besoin de le dire. On se retrouvera tout au long de la saison. Merci donc aux téléspectateurs de France 3 Normandie qui nous quittent. Naturellement, tous ceux de France 3 Centre restent avec nous. Tous ceux qui le souhaitent peuvent également aller sur centre.france3.fr. A tout de suite. Nous rejoignons Frédéric sur la zone de commentaires. A tout de suite. Qui rend les châssis curieux, ce sont les irrésistibles de Whiskas. De délicieuses gourmandises croquantes au cœur fondant, le tout sans colorant.